Vamos a ir a la escritura. Nous allons aller aux écritures. Vamos a dejar nuestro diezmo ahí en su mano. Donc gardez vos dîmes dans votre main. Y quiero llevarlo a una porción muy interesante. J'aimerais vous amener dans une portion très intéressante. Bueno, toda la escritura es emocionante. Donc toutes les écritures sont émotionnantes. Vamos al libro de Efesios. Nous allons dans le livre d'Éphésiens. Efesios es uno de los libros. Efesios es un de los libros que todos tenemos que conocer. Que nous devons tous connaître. Porque en él, car en lui, está determinado todo o toda tu bendición. Est déterminée toute ta bénédiction. Toda. Toute. Capítulo 1, verso 3. Chapitre 1, verset 3. Vamos a hablar de lo que Dios hizo. Nous allons parler de ce que Dieu a fait. Algo que a mí me apasiona del evangelio. Quelque chose qui me passionne de l'évangile. Lo cual hace la gran diferencia en cualquier otra doctrina espiritual. Lequel fait la différence dans toute doctrine spirituelle. Es que toda doctrina espiritual. C'est que toute doctrine spirituelle. Enseña al hombre. Montre à l'homme, enseigne à l'homme. A cómo acercarse a Dios. À comment s'approcher à Dieu. Porque desde los días de Adán y Eva. Car depuis les jours d'Adam et Ève. De Caín y Abel. De Caín y Abel. El hombre ha querido acercarse a Dios. L'homme a voulu s'approcher à Dieu. Y uno de los grandes problemas de muchos creyentes. Et un des problèmes de plusieurs croyants. Es querer acercarse a Dios. Et vouloir s'approcher à Dieu. Por el medio equivocado. Par le moyen erroné. Intentando acercarme a Dios. Et essayant s'approcher de Dieu. Ese es el error más grande. C'est l'erreur le plus grand. Porque el evangelio, car l'évangile, es la revelación, dans la révélation, de Dios, de Dieu, acercándose al hombre, c'est Dieu s'approchant à l'homme. No hay tal cosa que el hombre se acerque a Dios. Ce n'est pas que l'homme s'approche à Dieu. Hay tal revelación, il y a une telle révélation, que Dios se acercó al hombre, que Dieu s'est approché à l'homme. Dios caminó con nosotros. Dieu a marché avec nous. Dios conoce mi naturaleza. Dieu connaît ma nature. Dios quería relacionarse conmigo. Dieu voulait tellement se relationner avec moi. Que tomó un cuerpo como yo. Qu'il a pris un corps comme le mien. Que vivió como yo. Qu'il a vécu comme moi. Sintió lo que el cansancio es. Il a senti ce qu'est la fatigue. Sintió lo que el hambre es. Il a senti ce que la faim est. Sintió lo que la crítica es. Il a senti ce que la critique était. Sintió que la familia lo rechace a uno. Il a senti que la famille le rejette. Sintió lo que es perder. Il a senti ce qu'est perdre. En otras palabras, en d'autres mots, Jésus tomó un cuerpo como el mío, il a pris un corps comme le mien, vivió como yo, il a vécu comme moi, porque a Dios determinó, car Dieu a déterminé, caminar como yo, marcher comme moi, vivir como yo, vivre comme moi, y entenderme a mí, et me comprendre. Esa es toda la revelación del evangelio. C'est toute la révélation de l'évangile. Por eso que la escritura dice, c'est pour ça que les écritures disent, acerquémonos confiadamente, approchons-nous avec confiance. ¿Cómo? Comment? Confiadamente. Avec confiance. Porque tenemos un sumo sacerdote, dice la Biblia. Car nous avons un grand sacrificateur, dit la Bible. Delante del Padre. Devant le Père. Que caminó y vivió como yo. Qui a marché et vécu comme moi. Que puede compadecerse de mí. Qui peut avoir compassion de moi. Que puede entenderme a mí. Qui peut me comprendre. Y que él intercede por mí. Et qu'il intercède pour moi. Porque él entiende lo que yo siento. Car il comprend ce que je ressens. ¿Sabes tú que Dios siente lo que sabe lo que tú sientes? Est-ce que tu savais que Dieu sait ce que tu ressens? Muchas veces las personas dicen. Beaucoup de fois les personnes disent. Es que Dios no me entiende. C'est que Dieu ne me comprend pas. No. Él te entiende más de lo que tú crees. Lui te comprend plus de ce que tu crois. ¿Tú le puedes decir a Dios que no entiende lo que es perder? Tu peux dire à Dieu qu'il ne comprend pas c'est quoi perdre. Cuando él perdió a su hijo por ti y por mí. Il a perdu son fils pour toi et pour moi. Porque el sentimiento de perder un hijo. Car le sentiment de perdre un enfant. El padre lo experimentó. Le père il l'a expérimenté. Cuando entregó a su hijo. Lorsqu'il a donné son enfant. Hubo un desprendimiento eterno. Il y a eu un déchirement éternel. Eso es lo que sucedió. C'est ce qui est arrivé. Por eso es que Jesús dijo. C'est pour ça que Jésus padre, a dit. Père. ¿Por qué me habéis desamparado? Pourquoi tu m'as abandonné? ¿Por qué me abandonaste, pourquoi padre? Tu m'as abandonné, père. Porque Jesús sintió cuando el padre tuvo que darle la espalda. Car Jésus a ressenti lorsque le père a dû lui tourner le dos. Pero el padre también sintió que es abandonar a un hijo. Mais le père aussi ressenti qu'est-ce qu'abandonner un enfant. Y tú y yo podríamos decirle a Dios, ¿no me entiendes? Et toi et moi on peut dire à Dieu tu ne me comprends pas. Tu Dios no sabe cuánto yo sufro. Toi Dieu tu ne comprends pas tout ce que no, je souffre. No mi amado. Non mon aimé.
Él sí sabe lo que yo sufro. Lui, il sait ce que je souffre. Él sí sabe lo que se siente. Lui, il sait ce qu'on ressent. Él sí sabe los sentimientos raros del corazón del hombre. Lui, il connaît les sentiments bizarres du cœur de l'homme. Porque caminó como yo. Car il a marché comme moi. Y la gloria de este evangelio. Et la gloire de cet évangile. Es que Dios se acercó a mí. C'est que Dieu s'est approché à moi. Y sabe que yo soy incapacitado. Il sait que je suis incapacité. Él conoce que soy que tengo problemas. Il connaît que j'ai des problèmes. Pero me amó. Mais il m'a aimé. Y cuando yo entiendo ese principio. Et lorsque je comprends ce principe. Cambia totalmente mi orientación. Ça change complètement mon orientation. De relación con él. De relation avec lui. ¿Cómo? Comment? Cambia. Ça change. Porque ahora entiendo. Car maintenant je comprends. Que yo no busco a Dios. Que je ne recherche pas Dieu. Él me buscó primero. C'est lui qui m'a recherché en premier. Yo no estoy amando a Dios. C'est pas moi qui aime Dieu. Él me amó primero a mí. Il m'a aimé en premier. Y su amor. Et son amour. Ha sido tan poderoso. Il était si puissant. Que me tiene apasionado. Il m'a passionné. ¿O no lo ha apasionado Jesús a usted? Dieu ne vous a pas encore passionné. ¿Es que el amor de Cristo lo apasiona a uno? C'est que l'amour de Christ nous passionne. ¿O usted cree que es este fuego que siento en mí? Vous pensez que ce feu que je ressens en moi? ¿Es porque quiero ser un predicador efusivo? C'est parce que je veux être un prêcheur? No. Non. Lo que pasa es que el amor de él es tan poderoso. Ce qui se passe c'est que son amour est si puissant. Que lo he vivido en la necesidad. Que je l'ai vécu dans le besoin. En la escasez. Dans la sécheresse. En la turbación. Dans les turbulences. En mi debilidad. Dans ma faiblesse. Pero su amor siempre ha estado ahí conmigo. Son amour a toujours été avec moi. Nunca me ha faltado. Il ne m'a jamais manqué. Nunca. Jamais. Me ha faltado que comer. Il m'a manqué manger. Pero nunca me ha faltado su provisión. Mais sa provision n'a jamais manqué. Porque los días que no tuve. Que dans les journées où je n'ai rien eu. Conocí a Dios. J'ai connu Dieu. Aprendí a ver a Dios. J'ai appris à voir Dieu. Wow, esto es maravilloso. C'est merveilleux. Él se acercó a mí. Il s'est approché à moi. ¿Cómo? Comment? Él se acercó a mí. Il s'est approché à moi. Y como él se acercó a mí. Et comme il s'est approché de moi. La única respuesta que yo tengo. La seule réponse que j'ai. Que darle a Dios. C'est donner à Dieu. Es acercarme a él. C'est m'approcher de lui. Déjeme contarle algo. Et laissez-moi vous raconter quelque chose. Y permíteme el ejemplo. Et permettez-moi l'exemple. Sin deseo de ofender a nadie. Et sans le désir d'offenser qui que ce soit. El otro día estaba viendo un documental. L'autre jour, je regardais un documentaire. De un perrito. D'un petit chien. Que estaba en la peor condición física. Qui était dans la pire condition physique. Le habían cortado su cuello con el collar. Son cou était coupé par son collier. Tenía todo tipo de enfermedades. Il avait tout type de maladies. Y cuando el personaje se quiso acercar al perro. Et lorsque le personnage a voulu s'approcher du chien. El perro le abría su boca. Le chien ouvrait sa bouche. Queriendo defenderse. En voulant se défendre. Le tomó unos 10-15 minutos. Ça a pris 10-15 minutes. Antes que el hombre le pudiera tocar una pata. Avant que l'homme pût toucher une patte. Antes que el hombre pudiera hacerle saber al perro que él no lo iba a dañar. Avant que l'homme fût capable de faire comprendre au chien qu'il n'allait pas lui faire de mal. Y viendo ese momento. Et arrive le moment. Me vino a mí un pensamiento. Et une pensée m'est venue. Ese es el hombre. Ça c'est l'homme. Que en el nombre de Dios muchos lo han ofendido. Qu'au nom de Dieu beaucoup l'ont offensé. Que en el nombre de Dios les han robado. Qu'au nom de Dieu on leur a volé. Y cuando Dios se quiere acercar a ellos. Et lorsque Dieu veut s'approcher à eux. No le quieren confiar. Ils ne veulent pas le confier en lui. Pero te quiero contar algo. Mais je veux te raconter quelque chose. Esa mano que se te está acercando. Cette main qui s'approche. No importando lo que tú hayas vivido. Peu importe ce que tu aies vécu. No importando quién en la vida te dañó. Peu importe qui dans la vie t'a blessé. En el nombre de Dios. Dans le nom de Jésus. Esta no es la mano del hombre. Ce n'est pas la main de l'homme. Es la mano de Dios que te va a restaurar. C'est la main de Dieu qui va te restaurer. Que te va a levantar. Qui va te lever. Que va a hacer algo contigo sobrenatural. Il va faire quelque chose de surnaturel avec toi. ¿Sabes qué interesante? Et vous savez ce qui est intéressant? El perro estaba totalmente un esqueleto. C'est que le chien était complètement devenu un squelette. Pasados 6 meses. Et 6 mois passés. El perrito estaba otra vez sano. Et le chien était guéri. Y con un nuevo amo. Et avec un nouveau maître.
Cuando nosotros entendemos a Dios, lorsque nous comprenons Dieu, eso es lo que nos sucede. C'est ce qui arrive. Dígame si ese perro se va a ir de ese señor. Dites-moi si ce chien va quitter ce monsieur. Dígame si ese perro se volteará y olvidará ese que le dio la mano. Dites-moi si ce chien va se retourner, va oublier celui qui lui a donné la main. ¿Usted cree que lo va a olvidar? Vous croyez qu'il va l'oublier? Jamás. Jamais. A ese perro lo podrían poner a 40, 100 kilómetros de distancia. Ce chien, on peut l'envoyer jusqu'à 100 kilómetros de distance. Y le aseguro que va a volver a su dueño. Et je vous assure qu'il va revenir à son maître. Volverá otra vez a buscar la casa de su dueño. Il va revenir chercher la maison de son maître. Pues déjeme decirle algo. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Eso es lo que me pasó a mí. C'est ce qui est arrivé à moi. Me restauró tanto. Il m'a tellement restauré. Que aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia. Que même si je suis à des milliers de kilomètres de distance. Mi olfato sabe dónde está Dios. Je sais où est Dieu. Yo sé dónde está Dios. Je sais où est Dieu. Lo voy a buscar. Je vais aller le chercher. Seguro que lo busco. C'est sûr que je le recherche. Porque conozco que esa mano me levanta y me restaura, car no importando qué. Car je connais que cette main me restaure et me relève peu importe quoi. ¿Lo cree usted? Est-ce que vous le croyez? Por ello, vamos al texto. Donc, allons au texte. Yo hace años tengo un problema. Moi, ça fait des années que j'ai un problème. Cuando oigo a alguien, lorsque j'entends quelqu'un, predicando hombre a hombre, qui prêche d'homme à homme. A mí me gusta predicar Dios al hombre. Moi, j'aime prêcher Dieu à l'homme. Porque el Dios que se hizo hombre, le Dieu qui est devenu homme, nos ama. Nous aime. Efésios capítulo 1 verso 3. Efésiens 1 3. En un día como hoy. Dans une journée comme aujourd'hui, de celebrar la cena del Señor, celebrar la cena del Señor, tenemos que celebrar lo que Él hizo. Nous devons célébrer ce qu'il a fait. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. La primera verdad. La première vérité. Dios no me va a bendecir. Dieu ne va pas me bénir. Dios ya me bendijo. Dieu m'a déjà béni. La primera verdad en la que yo tengo que centrarme en mi vida. La première vérité sur laquelle je dois me centrer dans ma vie. Es que yo a Dios no le tengo que rogar. C'est qu'à Dieu je ne dois pas lui supplier. Porque me bendiga. Car pour qu'il me bénisse. Porque fue de su voluntad bendecirme a mí. Car ce fut de sa volonté de me bénir. Fue de su voluntad bendecirte a ti. Ce fut de sa volonté de te bénir. A Dios nadie lo obligó. Dieu, personne l'a obligé. Dios ya te bendijo a ti. Dieu t'a déjà béni. Y te quiero contar algo. Et je veux te raconter quelque chose. Esta bendición, cette bénédiction, es toda la bendición que Dios puede tener sobre ti. Et toute la bénédiction que Dieu peut avoir sur toi. En una ocasión. Il y a une occasion. Isaac. Y haciendo un hombre viejo. Étant un homme vieux. Llama a sus hijos para bendecirlos. Appelle ses enfants pour les bénir. Pero el hijo menor va y se disfraza como siendo el hijo mayor. Et, mais le cadet se déguise étant l'aîné. Y me llama la atención esto. Et ceci attire mon attention. Que Isaac bendice al menor. C'est qu'Isaac bénit le plus jeune. Y le dice, el cielo te dé todo. Et lui dit, le ciel te donne tout. La tierra te dé todo. Que la terre te donne tout. Los ríos te den todo. Que les rivières te donnent tout. El mar te dé todo. Que l'océan te donne tout. Y dice la escritura. Et les écritures disent. Y así bendijo Isaac a su hijo. Et ainsi bénit Isaac son enfant. Cuando regrese el hijo mayor. Lorsque l'aîné revient. Y le dice, padre, aquí estoy para que me bendigas. Il dit, père, je suis ici pour me faire bénir. El padre le dice, pero no fue a ti que te bendije. Et le père lui dit, mais ce n'est pas à toi que j'ai béni. Y le dice no. Il lui dit non. Y el padre dice. Et le père lui dit. No tengo más bendición que darte. Je n'ai plus de bénédiction à te donner. Porque toda la bendición. Car toute la bénédiction. Se la di a tu hermano. Je l'ai donnée à ton frère. Pero no tiene nada. Mais tu n'as rien. No. No. Entonces viene Isaac y le dice. Donc Isaac lui dit. Cuando seas grande. Lorsque tu seras grand, te quitarás el yugo de tu hermano. Tu vas enlever le joug de ton frère. Cuando crezcas y seas más fuerte. Lorsque tu grandisses, tu seras plus fort. Es lo único que te puedo dar. C'est tout ce que je peux te donner. Ahora. Maintenant. Si la palabra de un hombre. Si la parole d'un homme. Determina la bendición total sobre un hijo. Détermine la bénédiction totale sur un enfant. ¿Qué significará la palabra del omnipotente? Que signifie la parole du tout puissant? Diciéndonos a nosotros. Qui nous dit.
Con toda bendición te bendigo. Avec toute bénédiction, je te bénis. Alguien tiene que celebrar eso. Quelqu'un doit célébrer. Alguien lo tiene que celebrar. Quelqu'un doit le célébrer. Con toda bendición te bendigo. Avec toute bénédiction, je te bénis. Con toda bendición te bendigo. Avec toute bénédiction, je te bénis. Con toda bendición te bendigo. Avec toute bénédiction, je te bénis. Todo te pertenece. Tout appartient. Dios dijo. Dieu a dit. Yo te bendigo a ti. Je te bénis toi. Amén. Amén. Mi hermano, dígale que está la par suya. Celui à côté de toi. Tú eres un bendecido de Dios. Tu es béni de Dieu. Tome su asiento. Prenez place. Después que bendiga. Après l'avoir béni, béni. Y alguien dirá. O et alguien pensará. Sí, pero eso en los lugares celestiales. Donc, dans les lieux célestes. Exactamente. Exactement. Es que todo lo que se manifiesta en la tierra. C'est que tout ce qui se manifeste sur terre, primero se da en el cielo. Premièrement, se donne sur, y lo que está cieux, en el cielo. Car c'est dans les cieux, ya es mío. Et ¿cómo? Ça vient. Comment? Y es mío. Y c'est à moi. Verso 4. Verset 4. Según nos escogió. En lui, il nous a choisi. Según nos escogió. Il nous a choisi. Porque mi mamá era muy linda. Parce que ma mère était très belle. Porque mi mamá oró mucho. Parce que ma mère a beaucoup prié. O porque me fue tan mal en la vida. Ou parce que ça a été tellement mal dans ma vie. Es que Dios me escogió. Que Dieu m'a choisi. Es el otro error que tenemos que quitar. C'est une autre erreur que nous devons enlever. Dios no te escogió a ti. Dieu ne t'a pas choisi à toi. Por ninguna situación de tu vida. Pour aucune situation dans ta vie. Te escogió a ti. Il t'a choisi. Porque le dijo a su hijo Jesucristo. Parce qu'il a dit à son fils Jésus-Christ. Hijo. Mon fils, cuando hayas puesto tu vida por salvar al mundo, lorsque tu auras donné ta vie pour sauver le monde, hijo, mon fils, yo te voy a dar una cantidad de hijos, je vais te donner une quantité d'enfants, te voy a dar una descendencia de hijos, je vais te donner une descendance d'enfants, que te vas a sorprender, hijo mío, que tu vas te surprendre, mon fils. ¿Por qué te escogieron? Pourquoi ils t'ont choisi? Porque el Padre, parce que le Père, en Cristo, en Christ, a Cristo se lo prometió, il a promis à Christ, y le dijo al Cristo de la gloria, il a dit au Christ de la gloire, en ti voy a escoger a cada uno, en toi je vais choisir chacun, y por eso estás aquí, et c'est pour ça que tu es là. Me escogieron. Ils m'ont choisi. En Jesús. En Jésus. No por lo que soy. Pas parce que je suis. No por lo que tengo. Pas parce que j'ai. No por mi potencial. Pas par mon potentiel. Ni mi inteligencia. Ni mon intelligence. Ni por lo tonto que sea. Ni pour le non intelligent que je peux être. Eso suena muy diplomático. Nada, me escogieron en Jesús. Ils m'ont choisi en Jésus. Y aquí estoy. Et je suis ici. Ante una gran creación. Face à une grande création. Y Dios puso sus ojos sobre ti. Et Jésus a posé ses yeux sur toi. ¿Cómo? Comment? Sobre ti. Sur toi. Pablo lo dice de otra manera. Paul le dit en el capítulo 8 de Romanos. Dans le chapitre 8 de Romains. Dice que antes que todas las cosas fueran. Il dit que avant que toute chose soit faite. Dios te escogió. Dieu t'a choisi. Entonces eso debe cambiar mi vida. Donc ça doit changer ma vie. Por eso que los creyentes no nos luce. C'est pour ça que les croyants ça ne marche pas avec nous. Andar llorando, pleurer, ni quejándonos, et nous et se plaindre. ¿Por qué razón? Pour quelle raison? Porque Dios dijo. Car Dieu a dit. Que me bendijo. Qu'il m'a béni. Y que todo en mi vida. Et que tout dans ma vie sera para bien. Sera pour le bien. En todo me va a ir bien. En tout ça va bien aller. No. No. Pero al final todo me saldrá bien. Mais à la fin tout ira bien. Porque el Dios de los cielos. Car le Dieu des cieux. Que conoce los tiempos. Qui connaît les temps. Que sabe a dónde me lleva. Sait où il m'apporte. Él ya me bendijo. Lui il m'a déjà béni. Él ya me escogió. Il m'a déjà choisi. Yo no me salgo de su mano. Je ne sors pas de sa main. Porque aunque me quiera salir. Parce que même si je veux sortir. Me jala. Il me tire. Porque él me escogió. Car il m'a choisi. Entonces. Alors. Dice la escritura. Les écritures disent. Que habiéndonos Dios escogido en Cristo. Que nous ayant choisi avant la fondation du monde. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Il nous a choisi pour que nous soyons saints et sans défaut. Delante de él. Devant lui. Otro principio. Dans un autre principe. ¿Sabes que yo tengo uno de mis hijos? Vous savez, j'ai un de mes enfants. Ah, ese muchacho tenía una característica.
Ce gars, il avait une caractéristique. Mi esposa lo ponía bien bonito para ir a la iglesia el domingo. Ma femme l'arrangeait très bien pour aller à l'église le dimanche. Bien bonito. Il était très beau. Bien bañadito, vestido. Il avait pris sa douche, il était bien arrangé. ¿Y sabe qué hacía el ingrato? Vous savez ce qu'il faisait? Nomás salía a la calle. Dès qu'il allait dans la rue, se tiraba. Il se tire. Hora y media arreglando al muchachito. Une heure et demie en train d'arranger l'enfant. Para que este en menos de un minuto se tirara al suelo. Pour que lui en moins d'une minute, il soit par terre. ¿Verdad, amor? ¿N'est-ce pas? Cuando llovía, hermano. Lorsqu'il pleuvait. Otra vez a regresarlo a cambiarlo. Il fallait rentrer le changer encore. En los momentos lo incomoda a uno. Dans le moment, ça nous incommode. Hoy nos da risa. Aujourd'hui, ça nous fait rire. Pero me parece a muchos creyentes. Mais ça me fait penser à beaucoup de croyants. Que Dios los tiene santos y sin mancha. Que Dieu les a saints et sans défaut. Y estos se van a pecar. Eux, ils vont pécher. Hermano. Los tiene preciosos. Ils sont beaux. Limpios. Ils sont propres. Y como que fuera agradable la incomodidad. Y comme si l'incommodité est agréable. Que la madre tiene que tener para volver a cambiar al niño. Que la mère doit avoir pour changer l'enfant à nouveau. Lo mismo hacemos con Dios. On fait la même chose avec Dieu. Nos escogió. Il nous a choisis. Para ser santos. Pour être saints. Y sin mancha. Et sans défaut. Y nosotros. Et nous. A la primera. La première incommodité. Yo me recuerdo que uno de mis hijos, je me rappelle qu'un de mes enfants, tenía la costumbre de romper zapatos. Avait l'habitude de briser les souliers. Pero es que a mí sí los hacía a mí. Mais lui faisait ça comme ça. Con tal de romperlos. Pour les briser. Porque le quería que le comprara zapatos cada mes. Parce qu'il voulait qu'on lui achète des souliers à chaque mois. Y déjeme decir algo. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Caí en la trampa. Je suis tombé dans le panneau. De estar cambiando, comprando los zapatos. De devoir lui changer les souliers. Un día dije. Un jour j'ai dit. Que se vaya con los zapatos rotos. Qu'il aille avec les souliers brisés. Se vaya hacia la escuela. Qu'il aille comme ça à l'école. Se vaya hacia la iglesia. Qu'il aille comme ça à l'église. Si a él no le da vergüenza. Si ça lui rend pas honte. A mí tampoco. Moi non plus. Pues le dejé los zapatos rotos. J'ai laissé ses souliers brisés. Se le salieron los dedos. Les doigts sont sortis. Y cualquiera diría. Et n'importe qui dirait. Qué padre más malo. Quel mauvais père. No, el problema es que hijo más bandido. Non, le problème c'est quel enfant. ¿Mm? N'est-ce pas? Y eso es lo que hace Dios con algunos. Et c'est ce que Dieu fait avec quelques-uns d'entre nous. No lo han captado. Ils l'ont pas encore catché. Y un día Dios te dice. Et un jour Dieu te dit. Ensuciate bien, mi amor. Sois bien sale, mon amour. Porque a mí no me avergüenza tu situación. Parce que moi, ta situation ne me rend pas honte. Al que le va a caer la vergüenza es a ti. Celui qui sera honteux, c'est toi. Porque los dedos se te van a salir. Parce que les doigts vont sortir. Y todo mundo se va a dar cuenta. Et tout le monde va se rendre compte. Un día se te salen los dedos. Un jour, les doigts vont sortir. Un día todo mundo se da cuenta de la actitud que mantenemos. Un jour, tout le monde se rend compte de l'attitude que nous avons. ¿Cierto? N'est-ce pas? Pero te sigue amando. Mais il t'aime. Porque a este lo sigo amando. Car lui, je continue à l'aimer. Pero lo dejé con los zapatos rotos. Mais je lui laissé les souliers brisés. Había otro. Il y avait un autre. Solo tengo tres. J'en ai juste trois. Pero aprendí todo, ¿ok? Mais j'ai tout appris. Todito, mi hermano. J'ai tout appris. Este tenía la costumbre. Lui avait l'habitude. Que cuando quería algo. Que lorsqu'il voulait quelque chose. Se tiraba a llorar. Il commençait à pleurer. Mire cuántas veces nos llenó de vergüenza. Vous voyez combien de fois il nous a tellement rempli de honte. Tal vez estando en Sears. Peut-être en étant Sears. Y este muchacho. Et cet enfant. Cuando quería algo. Quand il voulait quelque chose. Y decía no, no te lo compro. Et on lui disait non, on te l'achète pas. En las primeras veces. Les premières fois. Ok, te lo voy a comprar. Ok, je vais te l'acheter. Porque usted sabe que una de las características de decir es esta. Que vous savez qu'une des caractéristiques est. Si usted está entre 50 para arriba. Si que vous avez 50 et plus. La peor tienda que puede visitar es Sears. Le pire magasin que vous pouvez aller c'est Sears. Porque cuando usted va. Car lorsque vous allez. La mayor parte son ancianos. La plus grande partie c'est des aînés.
Y los ancianos se me quedaban viendo. Et les aînés me regardaient. Como diciendo, no va a hacer nada por su niño. Comme en me disant, tu vas rien faire pour ton enfant. Pues había que comprárselo para callarlo. Il fallait lui acheter pour le faire taire. Una vez comprado. Une fois acheté. Tranquilamente se iba. Il partait tranquillement. Un día me sacó de quicio también. Un jour il m'a frustré. O me enojó. Il m'a fâché. Y nos hizo eso exactamente otra vez en Sears. Il nous aurait fait la même chose au Sears. Es que así hay que ir de 40 para pensar cómo voy a llegar a los 60. Sí, il faut avoir 40 pour dire comment je vais arriver comme ça à 60. Es broma, ¿qué? C'est des blagues, d'accord? Y estaba yo, se nos tiró a llorar. Donc il a commencé à pleurer. Y mi esposa ya iba a agarrarlo. Et ma femme allait le prendre. Le digo, venite, le digo. Je lui dis, viens-t'en. Vámonos. On s'en va. Y siguió gritando. Il a continué à crier. Nos escondimos. On s'est caché. Y nos quedamos viendo dónde estaba. Et on a regardé le pays. De repente, cuando ya no nos vio. Tout à coup, quand elle ne nous a plus vu. Sí. Aprendió. Il a appris. Que porque te quejes. Que parce que tu te plains. Y porque grites. Ou parce que tu cries. Papá no está para darte tus caprichos. Papa est pas là pour remplir chacun de tes petits caprices. Estaba para educarlo. Il était pour l'éduquer. Estaba para hacerlo madurar. Il était pour le faire devenir mature. Estaba para ayudarlo a que llegase a ser un hombre. Il était là pour l'aider à devenir un homme. Y eso es lo mismo que hace Dios. Et c'est la même chose que Dieu fait. Porque hay unos creyentes que se quejan. Parce qu'il y a des croyants qui se plaignent. Y lloran. Ils pleurent. No sabiendo que son bendecidos. En sachant qu'ils sont bénis. Que fueron escogidos. Qu'ils ont été choisis. Pero tienen mala actitud. Mais ils ont une mauvaise attitude. Y de repente. Et tout à coup. Te va a suceder lo que a mí me pasó. Et ça va t'arriver ce qui m'est arrivé. Señor, dame. Seigneur, donne-moi. Y Dios te da. Et Dieu te donne. De repente, Señor, dame. Après, tout à coup, Dieu donne. Y Dios no aparece. Dieu n'apparaît pas. Y no es que no te ame. Et ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Es que te está enseñando a crecer. C'est qu'il il te montre à grandir. Te está enseñando a madurar. Il t'enseigne à devenir mature. Porque en la gente adulta. Car les personnes adultes. O la gente de victorias. Ou les personnes de victoire. De retos. De défis. De conquistas. De conquérir. Tiene que madurar. Doivent devenir matures. ¿Sabía usted? Vous le saviez? Entonces viene Dios. Donc Dieu vient. Y dice. Et dit. Dice que nos predestinó. Il a dit qu'il nous a destinés d'avance. En amor habiéndonos predestinado. Dans son amour, il nous a destinés d'avance. Para ser adoptados. Par Jésus-Christ. No, para ser adoptados. À l'adoption filiale. Ya me lo estás cambiando, mira. Para ser adoptados. Être adopté, hijos suyos, ses enfants, por medio de Jesucristo, par Jésus-Christ, según el puro afecto de su voluntad, selon sa volonté bienveillante. Ahora viene el otro punto. Alors l'autre point vient, que en amor nos predestinó. Que en amour il nous a prédestiné. ¿Y usted sabe cuál es la característica del amor? Et vous savez quelle est la caractéristique de l'amour? Que hasta lo feo es bonito. Que même ce qui est laid est beau. Cuando mi esposa me presentó, lorsque ma femme m'a présenté, su familia le dijo, sa famille lui a dit, y no te has dado cuenta lo orejudo que es, tu ne t'es pas rendu compte de ses grandes oreilles, no, dijo, no, no te has dado cuenta lo narizón que es, tu ne t'es pas rendu compte de son nez, no, decía ella, no, el amor todo lo ve bello, hermano, l'amour voit tout beau, hasta mi suegra era hermosa en esos días. Même ma belle-mère était belle dans ces temps-là. La característica del amor. La caractéristique de l'amour. Es que el amor. No, en el amor no existe lo bello. Dans l'amour, ce qui est beau n'existe pas. No existe lo feo. Ce qui est laid n'existe pas. No existe lo defectuoso. Ce qui est défectueux n'existe pas. No existe lo débil. Ce qui est faible n'existe pas. Y si no, pregúntele a una madre. Sinon, demandez à une mère. El hijo puede ser X situación. Son fils peut être dans une certaine situation. Pero su amor es mucho más grande. Mais son amour est toujours plus fort. Que todo lo que su hijo puede hacer. Que tout ce que son enfant peut faire. ¿Sabe por qué? Et vous savez pourquoi? Porque el amor no conoce ni la belleza
car l'amour ne connaît ni la beauté, ni la fuerza, ni la force, ni la altura, ni la hauteur, ni el color, ni la couleur, nada, rien. ¿O no es cierto? ¿N'est-ce pas? Que una vez ve, porque todos vemos, ¿verdad? Parce que nous voyons tous. Y uno dice, pero qué le vio. Et on dit, mais qu'est-ce qu'elle voit? ¿Qué le vio? Qu'est-ce qu'elle voit? Y el otro feo, hermano. Et l'autre, il est. Pero como anda con la chica bonita. Mais comme il est avec la belle fille. Porque desde aquí estoy viendo a muchos. Parce que je suis beaucoup. Él todo creído. Lui, très hautain. Pero si está feo. Si te, laid, si te ves bonito por causa de ella. Tu es beau à cause d'elle. De verdad. Pour de vrai. Te ves lindo a causa de ella. Très beau, mais à cause d'elle. Y aquel está. Et lui est très hautain. El amor es así. L'amour, c'est comme ça. Hay una canción que lo dice así. Le voy a cantar la canción del caballo viejo de Venezuela. Cuando el amor, así dice. Une vieille chanson du Venezuela. Ah, pero le quiero contar algo. Mais je veux vous raconter Dios quelque te chose. Amó. En amor te predestinó. Dieu t'a aimé en amour, il t'a prédestiné. Y dijo en amor. Et il a dit en amour. Lo voy a adoptar. Je vais l'adopter. ¿Y sabe cuál es la ley de la adopción? Et vous savez quelle est la loi de l'adoption? Que incluso es aún más fuerte. Que c'est encore plus fort. Que la ley de los hijos. Que la loi des enfants. Y viene Dios y dice. Et vient Dieu et il dit. Te amo. Je t'aime. Y por eso te adopto. Et c'est pour ça que je t'adopte. No te adopto para ver si vas a ser buen hijo. Je ne t'adopte pas pour voir si tu vas être un bon enfant. Sino que te adopto porque yo te amo. Je t'adopte parce que je t'aime. De antemano ya sé que tienes todas las características negativas. D'avance, je sais que tu as toutes les caractéristiques négatives. Mas sin embargo, te amo. Par contre, je t'aime. Y por eso te adopto. Et c'est pour ça que je t'adopte. Y ahora vas a ser mi hijo. Et maintenant, tu vas être mon enfant. Y como hijo. Et comme enfant. Vas a disfrutar de todo lo que yo soy. Tu vas profiter de tout ce que je suis. De todo lo que yo tengo. De tout ce que j'ai. Porque te adopto en mi hijo amado. Car je t'adopte mon fils bien-aimé. Y es mi voluntad. Et c'est ma volonté. ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé? Porque sé que se lo ha preguntado. Parce que je sais que vous êtes déjà posé cette question. Cuando encontramos a un creyente. Lorsque nous trouvons un croyant. Alguien que ha aceptado a Jesús. Quelqu'un qui a accepté Jésus. Y usted dice. Et vous dites. Yo no creo que este sea hijo de Dios. Moi je ne crois pas que c'est un enfant de Dieu. ¿Sí? Oui. Lo adoptó Dios. Dieu l'a adopté. Y lo más tremendo. Et le plus incroyable. Es que lo adoptó en amor. C'est qu'il l'a adopté en amour. Y usted lo ve y dice, ay. Et vous le voyez, vous dites, ah. Pero es tu hermano. Mais c'est ton frère. Porque Dios lo adoptó. Car Dieu l'a adopté. Otro principio, con el cual cierro. Avec lequel je finis. Con lo cual termino. Avec lequel je finis. Sí, eso era terminar. Ah, c'est bientôt le temps de finir. Y dice que nos adoptó para para alabanza de la gloria de su gracia. Et il dit qu'il nous a adopté afin de célébrer la gloire de sa grâce. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dont il nous a comblés en son bien-aimé. En quien tenemos redención por su sangre. Nous avons la rédemption par son sang. El perdón de pecados. Le pardon des fautes. Según la riqueza de su gracia. Selon la richesse de sa grâce. Que hizo sobreabundar para con nosotros. Qu'il nous a octroyé abondamment. En toda sabiduría e inteligencia. En toute sagesse et intelligence. Dejemos hasta ahí. Finissons là. Propósito. But. Ahora ya sabemos lo que hizo. Maintenant nous savons ce qu'il a fait. Ahora encontremos el propósito. Maintenant trouvons le but. El propósito es que Dios dijo. Le but est que Dieu a dit. Lo escojo para que sea la alabanza de mi gracia. Je vous choisis pour être la louange de ma grâce. Agarre a la persona. Agarre. Déjeme un ejemplo que traigo. J'ai un exemple à vous donner. En una ocasión Miguel Ángel iba caminando. Lors d'une occasion Miguel Angelo marchait. Y vio un pedazo de mármol tirado. Il a vu un morceau de marbre par terre. Y se le quedó viendo. Il le regarde. Y sus discípulos le dijeron. Et ses disciples lui ont dit. ¿Qué ves? Qu'est-ce que tu vois? Es un pedazo de mármol tirado. C'est un morceau de marbre par terre. Y Miguel Ángel dijo. Et Miguel Angelo dit. Veo un ángel ahí. Je vois un ange. Tomó el pedazo. Il a pris le morceau. Il empezó a trabajar. Il a commencé à le travailler. Lo que para otros era un pedazo de mármol. Pour ce que certains c'était un morceau de marbre. Para Miguel Ángel era. Pour Miguel Ange c'était. La imagen de un ángel. L'image d'un ange. Cuando Dios te escogió a ti. Lorsque Dieu t'a choisi.
Lo hizo con ese propósito. Il a fait avec ce but. Tomarte. Te prendre. Moldearte. Te façonner. Trazar las líneas. Tracer les lignes. Esculpir a Cristo en tu vida. Sculpter Christ dans ta vie. Y ya hecho la labor. Et une fois le travail fini, presentársela. Le présenter. Como Dios lo hizo con Job. Comme Dieu l'a fait avec Job. Cuando Dios se vuelve a Satanás y le dice. Lorsque Dieu se retourne vers Satan et lui dit. ¿Te has dado cuenta quién es Job? Tu t'es rendu compte qui est Job? Porque dice que Dios se propuso. Car il se dit que Dieu s'est donné comme but. Que los creyentes fuéramos para la alabanza de la gloria suya. Que les croyants nous soyons pour la louange de sa gloire. Dios te toma. Dieu te prend. Te forma. Il te forme. Te transforma. Il te transforme. Y luego después. Et ensuite. Te presenta. Il te présente. Y entonces todos ven ahora el ser transformado. Et ensuite tout le monde voit l'être transformé. Pero la verdad es que fue Dios quien lo transformó. Mais la vérité c'est que c'est Dieu qui l'a transformé. Para la alabanza. Pour la louange. De la gloria. De la gloire. De su gracia. De sa grâce. Para eso te escogieron. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Y en esa labor que Dios de propósito que tiene. Et dans cette labeur du but de Dieu. Dios determinó que toda su gracia sobreabunde sobre ti. Dieu a déterminé que sa grâce soit en surabondance sur toi. Toda. Toute. Y te lo dejo con esto en tu corazón, con esto termino. Et je te laisse aussi dans ton cœur. Levántate y resplandece. Lève-toi et brille. Levántate y sé alguien en la vida. Lève-toi et sois quelqu'un dans la vie. Levántate. Lève-toi. Y sueña como Dios sueña por ti. Et rêve comme Dieu rêve pour toi. Levántate. Lève-toi. Y vive para Dios. Et vis pour Dieu. Créele a Dios. Crois Dieu. Ama a Dios. Aime Dieu. Porque lo importante de esta relación. Car l'important de cette relation. No es el para qué. Ce n'est pas le pourquoi. Sino es el por qué. Mais le pour quoi. No es para qué. Ce n'est pas pourquoi. Sino es para el por qué. Mais le pourquoi. No, ¿cómo está la cosa? El para qué es lo que quiero que tú hagas. Donc le pourquoi est ce que je veux que tu fasses. La razón. La raison. Es porque te amo. C'est parce que je t'aime. Es lo que quiero decir. Gracias. C'est ce que je veux dire. Viene Dios y dice. Dieu lui dit. No te escogí porque quiero que seas hagas algo grande para mí. Je ne t'ai pas choisi parce que je veux que tu fasses quelque chose de grand pour moi. No te escogí porque te amo. Non, je t'ai choisi parce que je t'aime. Te escogí porque me plació la gana hacerlo. Je t'ai choisi parce que j'ai eu envie de. Y a mí nadie me obligó. Personne m'a obligé. Yo simplemente te amo. Je t'aime. Ya lo que viene después. Ce qui vient après. No es por esa razón que me amó. Ce n'est pas pour cette raison qu'il m'a aimé. Para lo que yo pueda hacer para él. Pour ce que je peux faire pour lui. Sino que me amó simplemente. C'est juste parce qu'il m'a aimé. Porque le plació a él amarme. Simplement parce qu'il a voulu m'aimer. Es lo que Dios hizo contigo. C'est ce que Dieu a fait avec toi. ¿Lo crees? Est-ce que tu le crois? Yo tengo un reto. Moi je te lance un défi. Primero. Premièrement. ¿Quién en esta sala nunca le ha dado su corazón a Jesús? Qui dans cette salle n'a jamais donné son cœur à Jésus? Que nunca le has dado tu corazón. Que tu n'as jamais donné ton cœur. Y que has estado indeciso. Et que tu es indécis. La razón por la cual hoy te invitaron. La raison du pourquoi aujourd'hui on t'a invité. O porque te están trayendo. Ou qu'on t'apporte de force. Es porque el Espíritu Santo te está invitando a que conozcas a Jesús. C'est car l'Esprit Saint t'invite à connaître le Seigneur Jésus. Y si nunca lo has conocido. Et si tu ne l'as jamais connu. Por favor, solo levanta tu mano. Fais juste lever ta main. Bienvenida. Bienvenue. Hay una joven acá. Y une jeune. Alguien más. Quelqu'un de plus. Alguien más. Quelqu'un d'autre. Y quiero invitar la quiero invitar que si puedo. Quiero orar por usted en otras palabras. J'aimerais prier pour vous. Alguien más. Quelqu'un d'autre. Alguien más nunca le ha dado su corazón. Profeta Susana. Quelqu'un n'a jamais donné son cœur. Bienvenida. Alguien más, por favor. Alguien. Quelqu'un d'autre. Antes de cerrar este momento. Avant de fermer ce moment. Porque esta es la razón eterna por la cual Jesús vino. Car c'est la raison éternelle du pourquoi Jésus est venu. Es para salvar. C'est pour sauver. Nadie más. Personne d'autre. Entonces, si iglesia, me puedes hacer un favor. Donc, si vous pouvez me faire une faveur.
Acompáñame en la oración. Accompagne-moi dans la prière. Buenos días. Esta oración que quiero que usted repita. Cette prière que je veux que vous répétiez. Es la que nos ha transformado a todos. C'est celle qui nous a tous transformés. Porque es la llave. Car c'est la clé. Para que Cristo venga en su corazón. Pour que Christ vienne dans votre cœur. A partir de ese momento. À partir de ce moment. Dios hará maravillas. Dieu fera des merveilles. Y traerá lo primero su salvación sobre usted. Et la première chose qu'il va amener c'est le salut pour vous. Le puedo asegurar. Je peux vous assurer. Que saliendo usted de esa puerta. Qu'en sortant de cette porte. Usted va a sentir un cambio increíble. Vous allez avoir un changement incroyable. Porque Dios quitará el peso del pecado. Car Dieu va enlever le poids du péché. Y le dará la confianza de su salvación. Et vous donnera la confiance du salut. ¿Hay alguien más? Quelqu'un d'autre. Welcome, brother. Bienvenue. How you doing? I need somebody who speaks English with me here, please, so I can do it. Alguien que hable de los diáconos, alguien. Frank, ¿me para acá? Pero mi hermano, tú me le traduces. He's going to translate you for you. Quiero invitarles que hagan esta oración. J'aimerais vous inviter à faire cette prière. Esta oración que cambia la vida del hombre. Cette prière qui change la vie. Les invito a que cierren sus ojos. Je vous invite à fermer vos. Iglesia, levanta tus manos. Église, lève tes mains. Padre, Père, Padre, Père, en el nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, yo te entrego mi vida, je te donne ma vie, reconociendo, je reconnais que Jesús, que Jésus, es el Señor, est le Seigneur, quien perdona mis pecados, qui pardonne mes péchés, que me salva de la condenación, qui me sauve de la condamnation, yo entrego mi vida, je donne ma vie, reconociendo, en reconnaissant, que solo él, que seulement lui, en la cruz, sur la croix, me salvó, m'a sauvé. Hoy, Padre, aujourd'hui, Père, yo reconozco, je reconnais, en mi corazón, dans mon cœur, que tú lo levantaste de los muertos, que tu l'as levé d'entre les morts, para salvación, pour le salut. Yo me entrego a ti, je me donne à toi, a tu gracia, à ta grâce, y renuncio, et je renonce, al renuncio de las tinieblas, ou je renonce aux ténèbres, al reino de las tinieblas, au royaume des ténèbres, para que tú me traslades, pour que tu m'importes, como dice tu palabra, comme dit ta parole, al reino de la luz, vers le royaume de la lumière. Señor, Seigneur, tuya es mi vida, ma vie est tienne. Gracias por salvarme. Merci pour me sauver. Gracias por darme la sangre de Jesús. Merci de me donner le sang de Jésus. Amén. Amén. Oren por ellos, por favor. Ora. Priez pour eux, s'il vous plaît. Vamos, celebremos al Rey. Célébrons au roi. Vamos, celebremos. Eso es el gozo de casa. Vamos, y tampoco, no la celebración, dos almas salvadas para Jesús. Deux âmes sauvées pour Jésus. Yeah, 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 yeah. Levante su mano y dígale, Padre. Levez vos mains, dites, Père. Gracias. Merci. Porque me has dado. Car tu m'as donné. Todo me lo has dado. Tu m'as tout donné. Jesús es mío. Jésus est à moi. La vida es mía. La vie est mienne. La eternidad es mía. L'éternité est mienne. Porque en Cristo. Car en Christ. Tú me lo has dado. Tu me l'as donné. Padre. Père. Gracias. Merci. Te ruego. Je te demande. Que la revelación. Que la révélation. Que la revelación. Que la révélation. De esta verdad. De cette vérité. Me impacte. Me impacte. Me transforme. Me transforme. Me cambie. Me change. Y me levante. Et me lève. Para vivir la vida plena. Pour vivre une vie remplie. Que Cristo me ha otorgado a mí. Que Christ m'a donné. Solo levante su mano. Levez vos mains. Déjeme bendecirlo. Laissez-moi vous bénir. Padre, Père, yo bendigo a este pueblo. Je bénis ce peuple. Porque tu palabra les he predicado. Car je leur ai prêché ta parole. Y esta palabra. Et cette parole. Los transformará. Va les transformer. Les dará la sabiduría. Leur donnera la sagesse. Nos otorgará la inteligencia. Leur donnera l'intelligence. Para caminar. Pour marcher. En una dimensión de vida. Dans une dimension de vie. Totalmente distinta. Totalement distincte. Padre. Père. En el nombre poderoso de Jesús. Dans le nom puissant de Jésus. En el nombre poderoso de Jesús. Dans le nom puissant hoy, de Señor. Aujourd'hui, yo declaro Seigneur, que este pueblo. Je déclare que ce peuple. Entra a la plenitud. Entre dans la plénitude. De tu palabra. De ta parole. Y su corazón. Et leur cœur. Su espíritu. Leur esprit. Recibirá.
recevra esta palabra, cette parole, con gozo, avec joie, en el nombre poderoso de Jesús. Dans le nom puissant de Jésus. Te doy la gloria, je te remercie, te doy la honra, te doy la gloire et l'honneur, te doy la alabanza, la louange, en el nombre poderoso de Jesús. Dans le nom puissant de Jésus. Ahora, Padre, maintenant, Père, yo bendigo los a todos aquellos. Je bénis tous ceux que honran tu nombre, qui honore ton nom, a través de tus diezmos y ofrendas, a travers des dîmes et offrandes. Y estoy creyendo, Señor, et je crois, Seigneur, nuevas etapas, de nouvelles étapes, nuevas bendiciones, de nouvelles bénédictions, nuevas misericordias, nouvelles miséricordes. Declaro, je déclare, todo aquel que necesite un nuevo trabajo, tout celui qui a besoin d'un nouveau travail, levante su mano. Levez vos mains. Declaro en el nombre de Jesús, je déclare dans le nom de Jésus, que nuevas puertas de trabajo se te otorgan, que de nouvelles portes s'ouvrent, o incluso, ou inclusivement, en tu mismo trabajo, dans ton même emploi, se te va a promocionar, on va te donner une promotion, te van a dar un nuevo trabajo, un meilleur travail, en el nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, declaro, je déclare, que sobrenaturalmente, que surnaturellement, las puertas se te abren, les portes vont s'ouvrir, en todo aquello, en tout ce qui est, que tú deseas, dans tout ce que tu désires, en el nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, amén. Amen.